Je vais peut-être commencer avant les commissions intérieures par la commission permanente, Monsieur le Président, par indiquer que la commission permanente a élu son bureau et ont été élus en qualité de président Monsieur Mapou, en qualité de vice-président Monsieur Michel et en qualité de rapporteur Monsieur Victor Toutougoureau. Pour la commission des finances et du budget, président Monsieur Frogier. Pardon. Pour la commission des Oh non, je finances. crois qu'on va applaudir à la fin, non? Non, au fur et à mesure. Ah ouais, ok. Au fur et à mesure, parce que les dames ont demandé, parce que. Ah ben, quand les dames demandent, il faut applaudir à chaque fois. Allez, allez-y, monsieur le Pour la secrétaire. commission des finances et du budget, donc la commission intérieure cette fois-ci, président Monsieur Frogier, vice-présidente Madame Thiéoué, rapporteur Monsieur Favreau. Voilà. Commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale, président Monsieur Toukoumouli, vice-président Monsieur Queneau et rapporteur Madame Sakilia. Commission de la législation et de la réglementation générale, présidente Madame Machaut-Régnier, vice-présidente Madame Watéou, rapporteur Madame Couatet. Commission de l'organisation administrative et de la fonction publique, présidente Madame Cac. Vice-présidente Madame Caloy-Béarnaud, rapporteur Madame Jalabert. Bravo. Commission des infrastructures publiques, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de l'énergie, des transports et de la communication. Présidente Madame Ruffnac, vice-présidente Madame Nesline, rapporteur Madame Suvet. Commission du travail et de la formation professionnelle. Présidente Madame Falayo, vice-présidente Monsieur Queneau, vice-président, pardon, et rapporteur Madame Caloy-Béarnaud. Commission de la santé et de la protection sociale, présidente Madame Thiéoué, vice-présidente Madame Malfar-Paoga, rapporteur Madame Nesline. Commission des sports, président Monsieur Queneau, vice-présidente Madame White, rapporteur Madame Malfar-Paoga. Commission de l'agriculture et de la pêche, président Monsieur Brinon, vice-présidente Madame Sakilia, rapporteur Madame Montagnard. Commission de l'enseignement et de la culture, présidente Madame Waïcha, vice-présidente Madame Ruffnac, rapporteur Madame Goa. Commission de la législation et de la réglementation relative aux affaires coutumières, coprésident Monsieur Goromido, coprésident Monsieur Pabouti. Rapporteur, Monsieur Mapou. Commission des relations extérieures, président Monsieur Sawa, vice-présidente Madame Vandégou, rapporteur Madame Nesline. Commission des droits de la femme et de la famille, présidente Madame Jalabert, vice-présidente Madame Nesline, rapporteur Madame Vandégou. Commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur du Congrès. Président, vous-même, Monsieur le Président, vice-présidente, Madame Ruffnac, et rapporteur, Madame Sakilia. C'est tout pour les commissions intérieures, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Secrétaire général. Donc, nous en avons terminé avec les commissions intérieures, les commissions spéciales. Et nous prenons maintenant les représentations extérieures pour la période 2020-2021. Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La secrétaire générale adjointe va donner lecture successivement des différents organismes extérieurs avec les noms des conseillers qu'il est proposé de désigner. Et il s'agira pour l'Assemblée d'acter les propositions des groupes qui ont été discutées à la pause de midi entre les présidents de groupe. Donc, il s'agira de procéder à un vote à main levée à chaque organisme, Monsieur le Président. Merci. Donc, secteur industriel, tourisme, comité des investissements hôteliers touristiques, un titulaire, un suppléant. Titulaire, Monsieur Frogier, suppléante, Madame Nesline. Pas d'opposition? Adopté.
Comité des ventes à l'exportation, un titulaire, un suppléant. Titulaire, Madame Machoro-Régnier, suppléant, Monsieur Brial. Pas d'opposition, c'est adopté. Niveau de des pêcheries, commission des ressources marines, trois titulaires. Monsieur Brinon, Madame Sakilia, Madame Cac. Pêcherie, pas d'opposition, c'est adopté. Conseil de la sécurité maritime en Nouvelle-Calédonie, un titulaire, un suppléant. Titulaire, Madame Sakilia, suppléant, Monsieur Cueno. Pas d'opposition, c'est adopté. Observatoire de la conjoncture minière, un titulaire, Monsieur Blaise. Pas d'opposition, adopté. Comité des productions locales, deux titulaires, deux suppléants. Titulaire, Monsieur Frogier, ayant comme suppléant Madame Montagna. Votre titulaire, Madame Sakilia, ayant comme suppléante Madame Waka. Pas d'opposition, c'est adopté. Secteur rural, commission consultative pour la gestion du domaine territorial. Quatre titulaires, quatre suppléants. Comme titulaire, Monsieur Brinon, ayant comme suppléante Madame Barbier. Deuxième titulaire, Monsieur Goa, ayant comme suppléante Madame Caloy-Béarounet. Troisième titulaire, Madame Machoro-Régnier, ayant comme suppléante Madame Sakilia. Et quatrième titulaire, Madame Cac, ayant comme suppléante Madame Croisé. Pas d'opposition, c'est adopté. Commission des calamités agricoles, trois titulaires. Madame Barbier, Monsieur Tutugoro, Pierre Chanel, Madame Manou Alalo. Pas d'opposition, c'est adopté. Commission consultative des baux ruraux, trois titulaires. Monsieur Brinon, Monsieur Pabouti, Madame Cac. Sur la commission consultative des baux ruraux, pas d'opposition, c'est adopté. Commission électorale de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, un titulaire, Monsieur Brinon. Monsieur Brinon, Lionel, pas d'opposition, adopté. Secteur rural. Secteur administratif et financier. Comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation, donc pour le FIP fonctionnement, trois titulaires, trois suppléants. Premier titulaire, Monsieur Blaise, ayant comme suppléant Monsieur Cueno. Deuxième titulaire, Madame Thiewe, ayant comme suppléant Monsieur Goromido. Et troisième titulaire, Monsieur Toukoumouli, ayant comme suppléante Madame Sakilia. Pas d'opposition, adopté. FIP équipement, trois titulaires, trois suppléants. Premier titulaire, Monsieur Blaise, ayant comme suppléant Monsieur Cueno. Deuxième titulaire, Madame Thiewe, ayant comme suppléant Monsieur Goromido. Troisième titulaire, Monsieur Toukoumouli, ayant comme suppléante Madame Sakilia. Pas d'opposition, c'est adopté. Commission consultative d'évaluation des charges. Deux titulaires, deux suppléants. Premier titulaire, Madame Machoro-Régnier, ayant comme suppléante Madame Waka. Deuxième titulaire, Monsieur Washetine, ayant comme suppléante Madame Waecha. Pas d'opposition, c'est adopté. Comité consultatif du crédit. Deux titulaires, deux suppléants. Premier titulaire, Monsieur Blaise, ayant comme suppléant Monsieur Frogier. Deuxième titulaire, Monsieur Mapou, ayant comme suppléante Madame Coité. Pas d'opposition, adopté. Conseil de surveillance de l'Institut. Ah, je ne cite pas carrément, je dis que je ne répète pas. Donc, conseil de surveillance de l'Institut des missions d'outre-mer, pas de désignation. Sur la désignation avait déjà été opérée le 3 décembre 2018, comme, avec M. Mapou comme titulaire et M. Gourmido comme suppléant. Et le mandat est de 4 ans. Secteur social, conseil du perfectionnement du service militaire adapté. Deux titulaires, deux suppléants. Premier titulaire, M. Cueno, ayant comme suppléante Mme Montagna. Deuxième titulaire, Mme Waka, ayant comme suppléante Mme Caloy-Béarounet. Pas d'opposition, c'est adopté. Conseil calédonien de la famille, un titulaire, un suppléant. Titulaire, Mme Jalabert, ayant comme suppléante Mme Caloy-Béarounet. Pas d'opposition, c'est adopté. Conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre, un titulaire, Mme Ruffnac. Pas d'opposition, c'est adopté. Secteur de la santé, comité de coordination des baignades, un titulaire, un suppléant. Titulaire, M. Lallier, suppléant, M. Waneux. Bon, voilà, comité de coordination des baignades, c'est toujours les mêmes, on va les laisser. Secteur de l'enseignement, conseil inter-établissement du Greta interprovincial de Nouvelle-Calédonie, un titulaire, Mme Barbier. Pas d'opposition, adopté. Comité consultatif de l'enseignement agricole de la Nouvelle-Calédonie, un titulaire, un suppléant. Titulaire, Madame Cac, ayant comme suppléante Madame Montagna. Pas d'opposition, c'est adopté. Secteur de la fonction publique du travail et de la formation professionnelle. Commission des bourses avec affectation spéciale, un titulaire, Monsieur Pabouti. Cette commission, pas d'opposition, adoptée. Groupe de pilotage, mission cadre avenir. Un titulaire, Monsieur Washetine. Pas d'opposition, adopté.
Conseil d'administration GIP, formation cadre avenir, un titulaire, un suppléant. Titulaire, M. Cuino, suppléant, M. Toukoumouli. Pas d'opposition, c'est adopté. Assemblée générale GIP, formation cadre avenir, deux titulaires, deux suppléants. Premier titulaire, M. Cuino, ayant comme suppléant M. Saliga. Deuxième titulaire, Mme Machaud-Régnier, ayant comme suppléante Mme Waka. Pas d'opposition, c'est adopté. Commission consultative de la certification professionnelle, un titulaire, un suppléant. Titulaire, Mme Falayo, ayant comme suppléante Mme Waka. Pas d'opposition, c'est adopté. Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle, un titulaire, Mme Kouaté. Pas d'opposition, c'est adopté. Conseil stratégique de l'emploi, de l'insertion, de la formation et de l'orientation professionnelle, un titulaire, Mme Machaud-Régnier. Pas d'opposition, c'est adopté. Au Conseil du sport, un titulaire, Mme Caloy-Béarounet. Pas d'opposition, c'est adopté. J'ai sauté quoi ? Sécurité civile. Commission consultative territoriale, quatre titulaires, Mme Ruffnac, M. Sawa, Mme Thioué, Mme Croizé. Pas d'opposition, c'est adopté. Commission de transition vers le numérique de Nouvelle-Calédonie, deux titulaires, Mme Wateou, Mme Neslin. Pas d'opposition, c'est adopté. Conseil du numérique, un titulaire, un suppléant, Mme Wateou, ayant comme suppléant M. Pabouti. Pas d'opposition, adopté. Secteur économique, comité de l'Observatoire des prix et des marges, trois titulaires, M. Cuino, M. Toukoumouli, M. Dunoyer. Pas d'opposition, c'est adopté. Comité d'expertise douanière, deux titulaires, M. Cuino, M. Mapou. Pas d'opposition, c'est adopté. Oui. Comité de sélection territoriale, un titulaire, Mme Ruffnac. Pas d'opposition, c'est adopté. Président, j'ai encore des secteurs. En fait, il y a une page qui a sauté. Secteur rural, comité de gestion d'électrification rurale. Il y a quatre titulaires représentants de la Calédonie, dont un membre du gouvernement et quatre suppléants. Donc, il fallait désigner trois titulaires, trois suppléants. Donc, titulaire, Mme Montagna ayant comme suppléante Mme Suvé, Mme Thioué comme deuxième titulaire ayant comme suppléant M. Gouromido et M. Dunoyer titulaire ayant comme suppléant M. Michel. Pas d'opposition sur le secteur rural, c'est secteur, adopté. Pardon. Secteur de l'équipement, des transports et des communications, commission du pilotage, un titulaire, M. Pabouti. M. Pabouti, pas d'opposition, c'est adopté. Secteur administratif et financier, commission chargée d'établir la liste annuelle du jury criminel, cinq titulaires, Mme Malfar Paouga, Mme Wateou, Mme Waka, M. Ouaneux, Mme Croizé. Pas d'opposition, c'est adopté. Commission d'expropriation pour cause d'utilité publique, quatre titulaires, M. Brinan, Mme Tijinmae, M. Pabouti, Mme Croizé. Pas d'opposition, c'est adopté. Et la commission d'appel d'offres ? Commission d'appel d'offres de la Nouvelle-Calédonie, cinq titulaires, cinq suppléants. Mme Wateou, M. Saliga, M. Toukoumouli. Madame Thioué, Madame Sakilia, et comme suppléant, Madame Jalabert, Monsieur Favreau, Madame Falaéo, Madame Eo et Madame Tijinmae. Pas d'opposition, c'est adopté. C'est bon. Monsieur le secrétaire général, il y a autre chose ? J'annonce la conférence des présidents. Oui. Oui, Monsieur le Président. Avant que vous leviez la séance, je rappelle au président de commission, membre du bureau, président de groupe, qu'une conférence des présidents est prévue demain matin à 10h, suivie d'une réunion du bureau pour la programmation de la suite des travaux de l'Assemblée, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Secrétaire Général. Vous avez... Je pense qu'ils n'ont pas bien entendu. Il faudrait peut-être, oui, peut-être vous rapprocher et parler un peu plus fort. Pardon, peut-être. Excusez-moi. Oui, monsieur le secrétaire. Oui, pour les présidents de commission, les membres du bureau ainsi que les présidents de groupe, je rappelle qu'une conférence des présidents est prévue demain à 10h afin d'organiser la programmation des travaux de l'Assemblée et également une réunion de bureau pour rendre notamment un avis sur les prochaines dates
et les prochains ordres du jour de séance, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Secrétaire général. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un élu, qui souhaiterait dire quelque chose? Là, vous êtes tous fatigués, je pense. Hein? Donc, en tout cas, merci. Hein, merci pour votre disponibilité, mes chers collègues, et puis votre implication intelligente dans la composition de nos commissions aujourd'hui et puis tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc, après cette longue journée, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon repos. Reposez-vous parce que maintenant, nous sommes partis pour le mandat 2020-2021. Merci. La séance est levée. Bonne soirée.